Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Pnous en exclusivité sur la chaîne de Rétrojeu pour un compte-rendu de retour de vide-grenier. J'ai fait seulement quelques petites vidéos parce que c'était un très grand vide-grenier, il y avait beaucoup de chercheurs de jeux, donc j'ai pas pris le temps de faire des vidéos pour trouver un maximum de choses. Les connaisseurs comprendront. Donc sur ce vide-grenier, qu'est-ce que j'ai trouvé de beau? J'ai trouvé sur PS3 un jeu collector, à savoir que tous les jeux collector, je les récupère. Donc c'est Zombrex, c'est l'édition Zombrex de Dead Rising 2. Donc boîte métal, avec le jeu, un CD bonus, la notice, et la jaquette. Donc Dead Rising 2, c'est un jeu où vous devez tuer des zombies. En fait, c'est un jeu de survie. Et vous pouvez fabriquer des armes et en combinant des objets que vous trouvez sur votre passage. Donc le concept est intéressant. C'est un jeu Capcom. Donc Dead Rising 2, édition Zombrex à 2€. Ensuite, j'ai acheté Mafia 2 sur Xbox 360. Toujours une édition collector, donc on a une boîte métal, un petit livret, donc là la boîte qui emballe le jeu, et à l'intérieur pareil, on a le jeu, un CD bonus, la notice. Alors Mafia 2, c'est un jeu, donc le contexte, c'est dans une ville imaginaire aux États-Unis au début des années 40. Donc c'est une ville où il y a plusieurs clans mafieux qui se la déchirent, donc qui se font la guerre pour l'avoir. Donc il y a trois clans mafieux et nous on incarne un clan mafieux, c'est un Sicilien qui vient d'Italie forcément après la guerre. Donc là dans le jeu tous les coups sont permis. C'est un jeu qui est plutôt pas mal, qui avait été noté 16/20. Donc lui, Mafia 2 en édition collector sur Xbox 360, j'ai acheté pour la somme de 4€. Ensuite, j'ai acheté un jeu encore 360, Rayman Origin. Donc c'est un jeu de plateforme. Donc Rayman, c'est un bonhomme qui est dit sans jambes ni bras. Donc c'est un jeu de plateforme où on doit aller dans différents mondes. Ensuite, j'ai pris trois jeux PS3. Donc, j'ai pris Enslaved sur PS3, qui est un jeu d'action-aventure, style un petit peu Uncharted. Donc, comme ça, j'ai pas à vous le présenter. Donc, le jeu complet avec notice. J'ai pris le Final Fantasy XIII, qui, pour les connaisseurs, est le moins bon des Final Fantasy. Donc, complet avec notice. Et j'ai pris un petit RPG qui est très dur à trouver, qui est Disgaea 4. Donc c'est vraiment un pur RPG qui est en 2D HD. Et l'histoire elle est assez complexe. En gros, c'est un méchant qui est en enfer. Et donc qui est entre guillemets qui devient gentil. Et en enfer, il n'y a plus de place pour ses amis, du coup il remène le combat pour défendre ses amis en enfer. Donc c'est un très bon jeu, très bon RPG, très rare, donc très content de l'avoir rentré. Petit dédicace à Rétrojeu qui aime bien les RPG. Ensuite j'ai pris encore un jeu collector mais qui n'est pas complet, Forza Horizon sur Xbox 360. Donc lui, il n'a même pas la notice, bien heureusement il y a le jeu. Je l'ai pris pour la somme de 1€. Bon, c'est un jeu de voiture, mais comme il y a le steelbook à 1€, je l'ai pris. Ensuite, je suis tombé sur un lot de jeux Wii. Donc, c'est une dame qui vendait une console Wii avec une quinzaine de jeux. Elle vendait le lot 50€. Donc, moi, j'ai pris les jeux qui m'intéressaient. Je les ai négociés à 22€. Donc, je vais vous présenter les jeux que j'ai pris pour 22€. Les jeux sont tous complets avec notice. Certains copines sont encore présents et non grattés. Donc j'ai pris Lapin Crétin Chaud. Donc les Lapins Crétins, pour ceux qui ne connaissent pas,
Donc ce sont des mini-jeux qui durent entre 2 et 3 minutes. Ça a joué en famille ou avec des amis. Les mini-jeux, on s'affronte entre nous. Et il faut faire un maximum de scores pour gagner. Mais c'est vraiment des jeux débiles. Et même les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo s'y attachent. Moi, ma femme, elle n'aime pas les jeux. Et ça, elle joue. C'est du style, je me rappelle, il y avait une mission, c'est vous devez porter des genre des hamburgers qu'on empile les uns sur les autres, vous devez les rapporter en marchant doucement, et dès qu'il y en a qui tombent, bah, vous perdez du score en arrivant. Donc au bout d'un moment, on va aller vite, et puis tout tombe. Voilà, c'est des jeux de ce style-là, ou bien vous êtes à l'école, la maîtresse elle écrit au tableau, il faut faire des grimaces, et quand elle se retourne, il faut pas se faire griller. Donc au plus vous avez fait de grimaces, au plus vous avez de points. C'est vraiment des jeux débiles, mais c'est sympa. Ensuite, on a le Mario Kart Wii. Donc les jeux sont tous complets avec notice. Ils sont dans un très bon état. Donc Mario Kart Wii qui est pour moi un très très bon Mario Kart. De toute façon, tous les Mario Kart sont vraiment bien. Celui-là, il est très très bien. J'ai beaucoup joué avec. Ensuite, on a le Super Mario Galaxy, qui est le premier Super Mario Galaxy. Donc jeu d'aventure sur Wii. Donc toujours complet avec notice. Les jeux, même les CD ne sont pas rayés, ils sont vraiment dans un état très 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 propre. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment très propre les CD. J'ai repris le Rayman Origins que j'avais pris sur 360, qui est un très bon jeu. Ah oui, alors un jeu que j'adore personnellement. Donc les Donkey Kong. Là c'est le Donkey Kong Country Returns. Alors j'ai refait récemment le Donkey Kong Country 1 sur Super Nintendo. Je me suis vraiment régalé. Le Donkey Kong Country Returns sur Wii, je l'ai pas encore fait. En fait l'histoire du jeu. Donc il y a un sort d'enchantement avec de la musique qui a été fait sur l'île de Donkey Kong qui paralyse tous les animaux. Donc en fait tous les animaux sont en stand-by et les méchants ils viennent piquer toutes les bananes. Donc Donkey Kong, il doit retrouver le méchant pour enlever le sort de paralysie et retrouver son trésor, à savoir toutes les bananes. Donc à faire, parce qu'on joue avec Donkey Kong, je préfère quand il y a Donkey Kong que quand il n'y a que Diddy Kong, comme sur Super NES, le Donkey Kong Country 2, j'ai moins apprécié que le premier, parce qu'il y a Donkey Kong qui était prisonnier. Ensuite, on a le. Donc voilà, je disais des codes PIN non grattés. Le Super Mario, Paper Mario, sur Wii. Donc là, c'est un jeu Nintendo Select. Donc je ne savais pas, mais sur Wii, donc les jeux Nintendo Select, apparemment. Donc il n'y a que la jaquette qui est différente, comme les jeux GameCube. Donc Paper Mario, qui est un très bon jeu. En gros, c'est un RPG de Mario. Donc c'est un très bon jeu. Et on a New Super Mario Bros. Wii. Donc New Super Mario Bros. Wii. En fait, l'histoire, elle commence comme ça. Il y a un anniversaire, donc gâteau d'anniversaire qui arrive. Et en fait, dans le gâteau d'anniversaire, il y a Bowser Junior et des méchants qui sortent du gâteau, qui enferment la princesse Peach dedans, pardon, et qui partent avec. Donc Mario et ses amis. Ils partent à l'aventure pour libérer la princesse Peach, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Donc ce lot de 7 jeux pour 22 euros. Donc très content de les avoir rentrés parce qu'il n'y a que des bons titres. Les jeux sont tous complets avec notice, en très bon état, pour 22 euros. Pour moi, c'est une affaire qu'il fallait saisir. Donc très content de les avoir rentrés. Ensuite, j'ai acheté une Wii. Donc une Wii sans jeu, avec un jeu 360. Divinity 2, c'est un jeu que je ne connais pas. Ça a l'air d'un jeu de rôle. Donc je vais m'y attacher. Donc dans la Wii, donc j'ai testé ce matin. Donc j'allume. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Encore New Super Mario Bros. Sur Wii. Donc la console avec une manette. Qui est ici, donc une manette officielle. J'ai pas eu de handshot qu'avec. Et j'ai eu la petite rallonge Wii Motion Plus. Et j'ai acheté le tout pour 8 euros. Donc 8 euros, très bonne affaire pour moi. Très content d'avoir rentré une Wii à ce prix-là.
Depuis tout à l'heure, j'espère que vous avez remarqué ce petit objet qui est le meilleur objet que j'ai acheté sur ce vide-grenier. On y reviendra à la fin. Ensuite, j'ai acheté une PS2 Slim que j'ai acheté 8 euros. Donc, avec une manette PS2 HS. Donc, la console fonctionne, je l'ai testée. Et une manette PS1 grise. Donc, je l'ai acheté 12 euros. Quand je l'ai dit à Rétrojeu m'a dit oui, mais nous c'est cher 12 euros pour une PS2 Slim en vide-grenier. Je lui ai dit oui, Rétrojeu, je voulais te dire, avec, il y avait Dark Alliance, Baldur's Gate, complet avec notice, qui est un très très bon jeu de rôle. Vraiment, un très bon jeu. À faire absolument. On trouvait une Nintendo DS Tank, donc les premières versions. Donc je l'ai prise parce que c'est une rose, je l'allumais, elle fonctionne. Malheureusement, la dame l'avait sans chargeur, donc je l'ai payé 4 euros. Donc très content parce que la Tank rose, je ne l'avais pas. De mémoire, j'ai la grise, la bleue et maintenant j'ai la rose. Donc très content de diversifier les couleurs à ce prix-là. J'ai également trouvé une PS2 Fat que j'ai essayé qui fonctionne. Je l'ai acheté sans manette à 7 euros. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Pour la PS2 Slim que j'ai acheté avec le jeu Dark Alliance, ce qui m'a vraiment poussé aussi à la prendre, c'est qu'il y avait un deuxième transfo. Donc deux transfos pour une console. Sachant que les transfos des PS2 Slim, pour faire beaucoup de vide-grenier, c'est limite impossible à trouver. Donc comme il y en avait deux en plus, enfin un en plus. C'était intéressant parce que j'ai déjà acheté des PS Slim, 2 Slim sans transfo, donc ça va compléter des consoles qui ne sont incomplètes. Donc on a fait le tour de ce que j'ai acheté. Ce qui est intéressant aussi sur la Wii, c'est je ne connaissais pas, bien j'ai jamais fait attention, c'est la sensor bar. En fait, il y a un petit support pour ici qui s'enclenche directement à l'intérieur pour la maintenir. Donc ça, je ne connaissais pas. Moi, je me posais toujours à la sensor bar à plat. Donc ça, c'est un petit gadget qui est plutôt intéressant parce que je l'avais pas. Donc je suis content, je vous le fais partager. Et là, donc j'ai acheté un stick arcade sur 360. Alors le stick arcade, c'est un stick arcade édition Mortal Kombat Ultimate sur Xbox 360. Donc vous voyez ici le petit bouton Xbox pour dire que c'est un objet officiel. Vous avez le stick. Donc vous entendez qu'il est vraiment très propre. Les boutons qu'on retrouve vraiment la sensibilité des jeux arcade de notre enfance. Donc très 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 content de l'avoir rentré parce qu'il est en super bêta. Donc là vous voyez pourquoi je l'ai pris. Parce que derrière vous avez la boîte. Donc la boîte, il n'y a rien à dire, elle est aussi belle que le stick en lui-même. Donc là la boîte, c'est le fourreau. Le fourreau, vous voyez, qui est vraiment dans un état de conservation très très belle. Avec la boîte en carton dans laquelle se trouvait l'objet, plus la protection carton. Donc quand j'ai ouvert, voilà ce que j'ai découvert. Ce qu'à savoir sur le vide-grenier, ça c'est un exposant qui avait déballé dans les premiers. Donc il y avait en fait, quand on passait dedans, on voyait juste Mortal Kombat comme ceci, avec le petit viseur vert qui fait penser à Xbox 360. D'ailleurs, c'est même marqué ici. Donc moi, à force de passer devant, comme il y avait toujours du monde devant son stand, je me suis dit de toute façon, s'il y a des jeux, tout est parti. À un moment donné, en passant, je tiens Mortal Kombat. Donc comme c'est plutôt pas mal comme jeu, je m'arrête. Et je savais pas du tout ce que c'était comme objet. Et quand j'ai ouvert et que j'ai découvert ça, j'ai fait waouh. Et donc quand le vendeur, qui a à peu près la même âge que moi, a vu que j'étais délicat et que je faisais attention et que ça me plaisait beaucoup, il me dit, vous êtes collectionneur? Je dis oui, je suis collectionneur joueur, c'est vraiment un bel objet. Et je lui dis, par curiosité, vous vendez combien? Il me dit 35 euros. Je vois, ça fait cher pour moi pour cet objet-là. Et il est descendu tout seul, sans que je dise rien, à 25 euros. Il me dit 25 euros, c'est mon dernier prix. Je suis ok, moi je vous prends en 20. Et il m'a dit ça marche.
Donc après, on a discuté parce que c'est un collectionneur aussi. Et vraiment très bel objet. Donc là, nous avons un fermoir. Ici. Donc, on le pousse sur la droite. On soulève et on voit l'intérieur. À l'intérieur, j'ai le câble de branchement. Donc qui est très long, qu'on peut mettre bien loin de la console. Et ce qui est bien, c'est que c'est translucide. Donc on voit tous les branchements, toutes les connexions. Donc ça, c'est un petit plus. En dessous, nous avons une protection en mousse. Je vous montre comme ça. Donc, j'ai regardé sur les forums. En fait, c'est pour expliquer que c'est pour le mettre sur les genoux quand on joue pour que ce soit beaucoup plus confortable. Donc, ça, je pense que c'est mon plus bel. Enfin, c'est pas, je pense, c'est le plus bel objet que j'ai acheté sur ce vide-grenier. Et au niveau coup de cœur, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai acheté cette année. Hein. Vraiment très très gros coup de cœur pour ce joystick arcade, qui c'est vraiment des objets très rares. Et lui, il est vraiment dans un état superbe. En plus, en boîte, il n'y a rien à dire. C'est vraiment magnifique. Donc très très content de l'avoir rentré. Donc je vous ai présenté tous mes achats de ce vide-grenier. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez très vite sur la chaîne de Rétro Jeux. Bon jeu à toutes et à tous les gamers. Allez, ciao!